Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode sur Black Desert Online. Numéro 1. Pour ceux qui ne connaissent pas, Black Desert Online, c'est un MMORPG coréen qui a un gameplay assez ouf en fait. Et un système en jeu économique assez important et très poussé, enfin de mon point de vue. Mais il a aussi une histoire qui est sympathique et des graphismes qui sont plus que acceptables. Donc je vous invite à découvrir ça avec moi si vous ne connaissez pas. Et sinon, juste profiter du jeu. Voilà, voilà, c'est parti. Entrée. On va commencer par créer un personnage. Si vous voulez voir un petit perso, j'en viens là. Avec Is, petite meuf avec son. Avec son petit. Son petit. Son petit tigrou. Tigrou. Tigrou, tigrou. Plus gros qu'un tigrou quand même. Et mon petit Poyoun, qui est un samouraï en quelque sorte. Je trouve assez stylé personnellement. Donc on va se créer un nouveau personnage. Et comme d'habitude, nous allons, comme pour Skyrim, salut, je suis un beau gosse. Nous allons tout faire aléatoirement pour le choix des personnages, etc. Et donc, pour ce faire, je vais aller sur mon téléphone et aller chercher la fata. Nombre aléatoire. Voilà, très bien, on y va, on y arrive, on y arrive. Il y a combien de persos? Il y en a. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, généré. 9. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Ah, mais j'ai déjà fait elle. Ah non, j'ai pas fait les Kiyoshi. J'ai fait une dompte, j'ai pas fait une Kiyoshi. Du coup, on va se faire une Kiyoshi. Avec des gros boobs. Très bien. Tendance défensive 0. Ah oui d'accord, ok, c'est une meuf qui hésite pas quoi, qui va comme une ouf un peu. Experte au maniement de l'épée, du combat à main nue et du ninjutsu. Plonge ses ennemis dans le chaos avec ses attaques rapides, bombes fumigènes et autres compétences uniques comme la dissimulation avec une bonne maîtrise. Elle peut inverser le cours d'une bataille, se frayant un chemin au cœur des lignes ennemies. Sympa, c'est une ninja quoi, en quelque sorte. Donc je vais choisir elle. Alors je vais faire le personnage, ça va mettre 10 ans, je vous préviens. Parce que le moteur du jeu, regardez ces boobs, comment ils bougent là. C'est n'importe quoi. Quelle physique. Wow. Magnifique. Bonjour. Alors, personnalisation. Coupe de cheveux. Bon, je pense que je vais mettre au moins une demi-heure pour le faire. Donc, si vous voulez voir directement le gameplay, je vous conseille d'aller dans la vidéo numéro 2. Je mettrai peut-être un petit lien pour dire ça avant. Quelque part sur l'écran. Peu importe. Alors, type de cheveux, qu'est-ce qu'on va prendre comme cheveux? C'est une bonne question. Tac tac tac, j'aimerais bien qu'elle ait les cheveux longs. Alors quel type de cheveux? Ça c'est une bonne question. C'est une bonne question, salut. Ouais. Attention, tu vas te casser le cou. C'est ce que j'ai utilisé pour l'autre, donc je vais pas faire ça. Est-ce qu'on ferait pas tout en aléatoire pour voir ce que ça donne? Tiens, ce serait drôle ça. C'est un petit test. Alors, il y a combien de coupes de cheveux du coup? 1, 2, 3, 4, 5, 3, 5, 15, 16, 17, 18. Ok, on va faire ça, ça va être drôle. Et si je suis pas content, eh ben tant pis, c'est la règle du jeu. Donc 5, 10, 11, 12, 13. Je suis tombé sur 13. Très bien. Forme. Oh là! Ouais, mais là, c'est vrai. Alors, je vous explique un peu le principe de création de personnages de ce jeu. De création, de personnages. C'est qu'on peut faire à peu près n'importe quoi. Si je veux mettre ses cheveux comme ça, je peux très bien mettre ses cheveux comme ça. Genre, salut, j'ai des cheveux avec un brushing de ouf. Non, mais je pense qu'on va rester assez basique. Hein. On peut les tirer un peu, histoire de faire quelques longueurs. D'un côté et les ramener un peu vers l'avant, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Ça fait un peu chelou. Et les raccourcir de l'autre côté. Hop, on va faire un côté plus grand que l'autre. Oh là là, c'est trop mignon. Est-ce que je peux pas ouais, bon. Ok. Taille 1. Ah oui, ça c'est la frange. On va faire assez longue. Les boucles, est-ce qu'on la boucle ou pas? Mais elle a pas de boucle de toute façon. Ça n'a rien, densité de cheveux. Oh, ça fait beaucoup de densité. Oh putain, ils sont bouclés là. Ah oui, très bien. Là, on voit la bouclitude du cheveu.
Oh. Ok. T'as une bonne densité de cheveux là. Hein. On va en mettre un peu moins. Boucler un peu. Un peu, j'ai dit. Comment on fait? Ok. Ok, bon, on va boucler moins quand même. Parce que là, c'est un peu n'importe quoi. On va remettre à 50. 49. Très bien. Bon, peu importe pour la forme. Personnellement, ça m'ennuie un peu. Enfin, ça, pas que ça m'ennuie, mais c'est hyper long, donc bon. Je suis pas un professionnel du graphisme de personnage, quoi. Combien on a de couleurs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça fait 111. Non, 110. 110 couleurs. C'est beaucoup, ça. Alors, sur quel nombre on va tomber, cette fois? 44. Tiens donc. Donc, 1, 2, 3, 4. 40, 41, 42, 43, 44. Est-ce que ce sera une blonde? La pointe des cheveux. Ah ouais, on va changer tout. Comme ça va être cool. La racine, la pointe et tout. Pareil, là, il y en a 110 aussi. Généré. 51. 1, 2, 3, 4, 5. 51. Wow. Colorant. Ah ouais, ça fait zone. Colorant. Si je fais comme ça, là. C'est pas mal comme ça. Ça fait une blonde platine, mon gars. Tout de ouf. La racine. Quelle couleur on va tomber pour la racine? 63. 51. 60, 61, 62, 63. Ouais, du coup, ça change pas des masses. Hein, ouais. Zone. 100. Couleur. Ouais, là, ça change un peu plus, là, déjà. Ok, très bien. Va pour les les cheveux, c'est bon. On tombe sur des trucs chelous quand même. Mais bon. C'est le but en même temps. Visage. Type de visage. Alors j'en ai 5. Donc 5. Hop. 3, 4, 5. 3. 1, 2, 3. Ok, très bien. Peau. Couleur de peau. Putain, il y en a trop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc comme tout à l'heure, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 80. 80. Hop. Généré. 62. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 60, 61, 62. Et voilà, elle sera black avec les cheveux roses. Enfin, les cheveux. Pas roses, non. Cheveux blonds, blancs et marrons. Pourquoi pas. Éclat. Alors, soit elle a mis de l'huile, soit pas du tout. Allez. On va en mettre un peu. Là, c'est pareil, je pourrais le faire au tirage au sort. Au pire, éclat 100, ça va de 0 à 100, quoi. Donc, 0 à 100, générer 17. Ça va, on va rester sur un truc à peu près normal, du coup. Un peu chelou, mais à peu près normal. Ok, forme du visage. Ouais, mais forme du visage, je vais la laisser, du coup. Maquillage. Maquillage, œil. Il y en a combien, là? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 40, 4 x 4, 16. Moins 1, 15. Hop, généré 8. 3, 4, 5, 7, 8. Ok, très bien. On aura ce maquillage-là. Densité. On va en mettre un peu, histoire qu'on voit qu'elle a du maquillage, parce que là, on voit pas grand-chose. Très bien. Inversé. Inversé. Oh, c'est inversé, ça inverse les couleurs. Très bien. Éclat. Ah bah, l'éclat, on va le diminuer un peu, parce que c'est quand même... C'est à peu près le seul truc que je peux gérer, donc... hein. Bon. La zone. On va mettre un peu comme ça, voilà. Et le coloriage, donc, enfin le coloriage, la couleur, 10 x 4, 40, de 1 à 40. Très bien, générer 40. Bon, mais ce sera bleu. Voilà, excellent. On va laisser vers le milieu parce que sinon ça fait chelou quand même. Regarde. Voilà, on va laisser comme ça. Ce sera très bien. Sourcils. Ah, sourcils, j'en ai 8. De 1 à 8. 3, 1, 2, 3, celui-là, on va prendre. Très bien, densité du sourcil. On va lui mettre un peu de sourcil. Hein. Hop, voilà, la taille, est-ce qu'on lui fait des gros?
Gros sourcil, mais sourcil assez haut, ouais, c'est chelou quand même. On va laisser vers le milieu, éclat. Oh putain, ça lui fait des gros sourcils là. On va mettre ça comme ça, zone. Voilà, comme ça, un peu de sourcils, pas trop non plus. Quelle est la couleur de ses sourcils? C'est une question ça. Donc pareil, là on a 10, j'imagine, 3, 4, 5, 8, 5, 10. Et là, bah, c'est la même couleur que tout à l'heure, donc on retourne sur du 110. 110, généré, 65. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65. Ok, c'est chelou, mais pourquoi pas. Pourquoi je... Attends. Pourquoi j'ai pas la couleur demandée là? C'est ça là. Mais c'est pas cette couleur là, c'est censé être vert. C'est bleu. C'est bizarre. C'est trop bizarre. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Rougir. Est-ce qu'elle rougit? Là, on a combien? 8 aussi, pareil. 8. Hop, hop, hop. Je fais tout, toutes les tirages de sort sur mon téléphone. Hein. C'est pour ça que vous voyez pas, mais c'est pas grave. Elle va rougir un peu. Oula. Là, là, elle a pris des claques carrément. Quoi. Tout doux. Pas que ce soit trop dégueu non plus. La taille. On va mettre une petite taille. Éclat. Ça change pas grand chose. Ça change, j'ai mis la taille à 0. Oh non, ça change pas grand chose dans tous les cas. Ok. La zone. Ouais, comme ça, ça va être bien. Et la couleur, donc 10 x 4, ça fait 40. 40, 40, 40, l'ami. Hop, 16, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voilà, on tombe sur cette couleur-là. Cette couleur-là qu'on ne voit pas trop. Ah oui, si, un peu, ok. Comme ça, très bien. Et les lèvres maintenant, il y en a combien? 4 x 1, 2, 3, 4. Ouais, enfin 4 x 3, plus 1 plutôt. 4 x 1, 2, 3, plus 1, 5. 4 x 3, 12, plus 1, 13. Ça va, ça va, je suis encore pas trop mauvais en maths. J'arrive à faire à peu près ce que je veux. 6. Alors, 4 et 4, 8, moins 2, 6. Hop, 4, 5, 6, c'est ça. Très bien. Très bien, très bien. La couleur maintenant, bon pareil, 10 x 4, 40. 40. 13. C'est la première fois qu'on tombe sur 13, je crois. 10, 11, 12, 13. Ok, très bien. C'est bizarre, c'est pas la couleur qui est écrite, mais bon, pourquoi pas. Hein. Écoutez. Écoutez. Donc on a fini pour le maquillage, très bien. Un maquillage un peu chelou, mais bon, ça passe. Les yeux maintenant. Pupille. Oh là là là, qu'est-ce qu'on va lui foutre comme pupille, quoi. 8, 9, 10, 11. 11, généré. Eh ben on prend la première. Oh non, pas la première, c'est pas drôle. Allez, je régénère. 4. 2, 3, 4. Ouais, voilà. Vous voyez la différence ou pas? Ça se voit un peu, mais pas trop, mais ça se voit un peu. Regardez. Là, il y a le ça. On peut lui mettre pupille de chat, pupille cœur, pupille chelou. On va mettre celle-là. Pas carrément dans le mode un peu démon, quoi, hein, si je peux dire ça comme ça. On va laisser ça de base, hein, je vais pas changer ça, au final. 10 x 4, donc, on a dit, 40. Hop, je tombe sur 10. Et bien, 10, c'est là, je crois bien. En effet, c'est ça. C'est chelou. On dirait qu'elle a des taches de sang dans les yeux, comme Puchiel. Si vous connaissez, vous connaissez pas, bah tant pis. Tant pis. Donc là c'est pareil, on en a 9. 9, 9, 9, 9. Hop, généré 9. On tombe sur la 9ème. Très bien. Wow! Trop étrange! Trop ouf! J'aime bien, c'est cool. Donc 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 100 couleurs différentes. C'est marrant comment ils changent les couleurs en fonction des trucs. 31, donc 10, 20, 31. Hop! Ok, pourquoi pas? Pourquoi pas? Quelque chose de spécial, mais intéressant. Hein, elle vient d'une autre planète, quoi, la meuf. De ouf. Donc là, 4, 8, 12, 16. On tombe sur 16. Bah écoute, on tombe sur 16. Ouais, mais là, on perd tout l'intérêt de l'autre truc. De la pupille de l'intérieur.
pas logique. Après, c'est... Ouais. Ah, là, c'est trop bizarre, hein. Je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça, les gars. C'est pas possible. Ah oui, je peux choisir aussi si je mets sur l'œil gauche ou l'œil droit. On peut changer, hein. Et si on faisait deux yeux différents? Ce serait pas plus stylé, ça? C'est-à-dire qu'on change tout à chaque fois. Ouais. Bon, écoutez. Je suis tombé sur 16. On va dire qu'on va mettre 16 pour l'œil droit. L'œil gauche, l'œil droit. Ah oui, on peut changer comme ça, ok. On va commencer par l'œil droit. On va tout refaire. Bon, l'œil droit, non, l'œil droit, on l'a fini, c'est celui-là. Maintenant, si on prend l'œil gauche, hop, on va changer tout ça. La pupille, tout, tout. On régénère tout. Parce qu'on est des oufs. Donc là, il y en a combien, j'avais dit 8, 9, 10, 11. Générer 2. Eh ben écoute, des petites étoiles dans les yeux. Donc la couleur... Est-ce qu'on laisse les couleurs quand même ou on change juste la forme? Ouais non, on va tout changer, couleur et tout. On s'en fout. On vient d'une autre planète, on l'a dit. Ok, alors, la couleur, donc 10 x 4, 40. Je vous ai dit que ça allait être long, hein, de toute façon. On tombe sur 40. C'est pas deux fois qu'on tombe sur la même couleur, là? Ah non, c'était pas la même couleur tout à l'heure. Ok, très bien. Ça va pour ça. Maintenant, l'iris, 9. 9, j'ai dit. Hop. Générer 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, très bien. La couleur, j'ai dit combien? 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100. Générer 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop. 80. Ok, très bien. On va pour ça. Et la lentille, maintenant, il va me falloir une autre quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16. Générer 13. 4, 8, 12, 13. Hop. Oh, oh, oh. C'est... Moi, j'aime bien. Je trouve ça stylé comme ça. Enfin, la différence est quand même assez ouf. On dirait qu'elle a des yeux bioniques, quoi. Mais bon. Donc, 10 x 4 pour la couleur de la lentille. Hop. 20. Rouge. Ben voilà, parfait. Excellent. C'est des beaux yeux qu'elle a. Dis donc. C'est assez ouf. C'est ouf. Trop drôle. Injecté de sang, quoi. Des deux côtés, mais pas de la même manière, en fait. Ok, bon, pourquoi pas. Donc, on a fini avec la gauche et l'œil droit. Très bien. Contour des yeux. Contour des yeux. Donc, 4, 5, 6. Allez, joie de l'aléatoire. 2. Ça change quelque chose, là? Ah ouais, c'est les cils. Ça va juste avec là, les cils, d'ailleurs. Taille. Tiens, on va choisir la taille aussi, comme ça. Hop, de 0 à 100, 32, un peu moins grand. Hop, 32, voilà, très bien. Et la couleur maintenant, donc ça c'était 110, je l'avais dit tout à l'heure, si je me souviens bien. 110. 40, 1, 2, 3, 4, 40, hop. Voilà, très bien, parfait, excellent, ne changeons rien. Ne changeons rien. Couleur des yeux. Contour des yeux, pardon. 4. Donc là, 4. Hop. Bah, 4. Très bien. Ok, pourquoi pas. La densité, donc sur 100. 100. 93. Allez, c'est la profondeur des yeux. Ça. 93. Et donc, 4 fois 10, 40. Générer 38. 38, 39, 40, c'est ça. Hop. Et ben voilà, excellent, ça va bien avec ses cils en plus, c'est parfait. Résultat net. Contour des yeux, résultat net. On est encore sur le maquillage là? Non, c'est juste la forme des yeux, la couleur des trucs. Putain, c'est trop bizarre. Donc 4, générer 3. 1, 2, 3. Ce sera celui-là. Densité sur 100. 100. 74. 74. Où es-tu? Là. Et la couleur. 40, 28, 2, 20, 30, 39, 38,
Ah non, 29, 28 plutôt. Voilà. Très bien. Excellent. Trop bizarre. Tatouage. Qu'est-ce qu'on va lui mettre comme tatouage? On va être obligé de lui mettre un tatouage. 1, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 16 donc. Qu'est-ce qu'elle va se retrouver avec comme tatouage? 6. 4, 5, 6. Oh, Spider-Man. What the fuck? Où est-ce que je lui fous une moustache? Non, allez, on va continuer comme ça. Avec le petit Spider-Man. Mais c'est trop bizarre quand même. Et puis ça, c'est laid en soi. Mais bon, c'est la vie. Densité 122. Ouais, ça va être plus petit. Ah, plus transparent. D'accord, ok. 21, 22. 22, j'ai dit. Eh oh, allô. Bon, je peux pas. Ce sera 21. Parce que 22, c'est plus proche de 20 que de 30. Voilà, voilà, tout simplement. Donc 4,40 pour la couleur du machin. Généré 39. Hop. Fort bien. Tatouage, bah c'est bon du coup. Les rides. Oh, on me dit pas qu'il va lui mettre des rides. Oh non, 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 non. Moi je vais, je vais la laisser comme ça. Je vais pas mettre de rides. Voilà. Ça c'est sûr. Expression d'attente. Ah ouais, ça c'est drôle ça. 1, 2, 3, 4, 5. 5. On va tomber sur laquelle? La 4. Celle-là. On choisit sur la société qu'on serait en attente dans le jeu, oui, je sais. Voilà. Quand elle sera en attente dans le jeu, elle sera comme ça. Pas de soucis, aucun. Et le poids, plus ou moins grande, donc l'expression. 91. Eh ben écoute, ma petite, tu vas avoir la bouche ouverte souvent. Regardez, ça genre. Là, 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 là. Oh, mon dieu. En gros, quand je ferai rien dans le jeu, quand je serai en train de parler, vous parler, et que j'expirerai des trucs ou quoi, elle va attendre comme ça en mode. Mais qu'est-ce qui se passe? Que fait mon maître? Mon dieu. Mais, what? Et voilà, et ce sera drôle. Relever les cheveux. Oh. Ah oui, très bien. J'ai pas choisi ça. J'aimerais bien pouvoir choisir entre les deux. J'aime bien les deux. Remarque, on voit beaucoup moins la couleur. Ouais, mais si ça fait plus de... Ouais. On voit plus son visage magnifique. Je me demande si on peut relever les cheveux en jeu. Bon, on va faire un tirage au sort comme d'hab, entre 1 et 2. Le 2, ce sera le tirage de cheveux. Et on tombe sur le tirage de cheveux. Eh bien, écoute, très bien. Ce sera du tirage de cheveux, donc en règle. Très bien. Attends. Me dis pas que... Non, c'est bon. Oui, non, c'est bon. Okay. Ah, j'ai eu peur. Bon, je sais pas ce que c'est le tirage de cheveux. Ça doit être... juste pour voir quand c'est tiré, en fait, j'imagine. L'action du personnage. Ou alors on va faire l'horoscope d'abord. On a quoi? Bouclier, berserker, chameau. C'est ce à quoi elle aspire donc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, c'est ça? Je ne me suis pas trompé. Je crois. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 8, c'est ça. 12, donc entre 1 et 12. Qu'est-ce qu'elle va être sous le signe de la bonne étoile? Est-ce qu'elle est née sous le signe de la bonne étoile? 8. On commence par le bouclier. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pierre de Sceaux. Circonspect, excentrique, mystérieux, éphémère. Ok. Pourquoi pas? Le temps. Ah, mais c'est juste pour voir la différence. Genre la nuit. Ça doit être ça. Wouah, trop ouf. Avec sa tenue en plus, là. Wouah. Ça, c'est mal aux yeux, ça. Le temps, on s'en fout. C'est juste pour la personnalisation. Visage, on était au corps, donc. Le corps, dis donc. Alors. Contrôleur principal. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. Bon, peu importe. Réinitialiser. Ok, taille. Ah oui, c'est grande ou petite. On va faire de 0 à 100, il n'y a pas de truc, mais bon, c'est pas grave. On va faire à peu près quoi. 44, ouais, donc c'est à peu près au milieu. À peu près par là. Silhouette. Ah oui, grosse ou mince. Ouais, mais j'ai pas envie de me faire une meuf grosse quoi, c'est chiant. En fait, là je vais choisir moi-même parce que j'ai envie. Est-ce qu'on la fait grosse? Enfin, pas trop grosse, tu vois, mais genre. Franchement, j'aimerais bien la faire genre
Soit méga grande, c'est une ninja. J'aimerais bien la faire méga grande. Méga fine, non, pas méga fine. Okay. Ou alors méga petite. J'aime pas trop l'intermédiaire en fait. Enfin, on peut la faire comme ça. Hein. Toute petite, mystérieuse, avec ses cheveux et sa tête chelou. Moi ça me va. Muscles. Alors les muscles, du coup, on va choisir tout simplement avec le tirage au sort. 81, ça fait pas mal de muscles quand même. Muscle 2, 97. Ça va, la meuf, elle est musclée de naissance, quoi. Sérieux, quoi. Oh, putain de merde. C'est chelou, quand même. C'est hyper chelou. Muscle 3, 37. Ouais, mais mec... C'est trop bizarre. Je peux pas lui faire des bras comme ça, c'est dégueulasse. Ah mon dieu. Ça fait quoi si genre la forme, je la... La taille quoi. J'agrandis la taille, non ça change rien. Tu peux pas être méga musclé et méga grosse comme ça, c'est pas possible. Non mais je peux pas lui faire autant de muscles, c'est pas possible. Non, là, je vais y aller de mon point de vue. Pas au bras, au moins, s'il vous plaît, quoi. Je vais en faire un peu, si vous voulez, tu vois. Genre, voilà, elle est un peu musclée, t'as vu, mais pas autant, quoi. Ouais, comme ça, ça me paraît à peu près raisonnable. Je le sais, je ne fais pas ce qu'il faut au niveau de l'aléatorité. Mais en même temps, c'est moi qui choisis, je vous l'avais dit. 4, 9. Donc, 9 pour le deuxième tatouage, donc. 9. Et ce sera le 9e. Très bien, une grosse rose en plein milieu du nombril. Où est-ce qu'on va le mettre? Alors, lieu. Ok, bah ça, on va tout faire aléatoirement parce que je sais pas du tout quoi choisir. 177, 77, tac, tac, tac. Voilà, très bien. Lieu Y, 15. Ah, mais on voit rien voir à 15. C'est pas grave, ça fera un tatouage chelou du coup. Pivoter. 17 aussi. Remarque, ça peut donner quelque chose de cool. Éventuellement. Taille X sur 100. 20. 20. Ah, c'est petit. Ça va faire un petit tatouage qu'on verra pas forcément d'ailleurs. Taille Y. 35. Ouais, mais faut quand même qu'on le voie. Là, on voit rien là. Voilà, juste un. Ah, c'est dans le dos, un peu. Chelou. Le truc qui dépasse sous le bras, comme ça, en mode... C'est par là, les gars. Si vous voulez des boobs, c'est par là. Densité. 96. Ouais, ça change pas les masses. Donc, on s'en fout. Inverser, ça fait quoi, si j'inverse? Exactement. Bon, ça, je peux toujours le tirer au sort aussi, c'est pareil. 50. Enfin, 49. Hop. Ok, je sais pas encore si je vais le laisser là ou si je vais le mettre ailleurs, on verra bien. Donc 1, 2, 3, 4, 40, là ça c'est pour la couleur du tatouage. Hop, générer 8, 10, 9, 8. Ouais, mais là on va rien voir là. On voit que ça va bien avec sa couleur de peau au final, c'est comme si c'était déjà là quoi. C'est une tache de naissance, c'est une brûlure. Une brûlure à la... c'est une brûlure en mode... à la croix de Jésus quoi. Elle a été brûlée dans son enfance depuis la religion, c'est pas son truc. Ok, très bien. Alors. Bon, je vais le laisser comme ça, au final, c'est assez discret en même temps, voilà. C'est pas si dégueu. Contrôle individuel. Contrôle détaillé pour la pose. Je peux pas changer ça. Bisymétrie. J'en sais rien. What the fuck? Qu'est-ce que tu fais, gros? T'as un problème dans ta vie ou quoi? C'est l'éclat, putain. What the fuck? Oh putain de merde. On peut pas annuler ici. La pause, c'est genre quand elle l'attendra, c'est ça? Vas-y, on va lui faire. Qu'est-ce qu'on va lui faire faire?
est-ce qu'on peut l'asseoir, genre... Sinon, on lui fait faire, genre, des trucs chelous. Elle attend en mode... Là. En mode... Ah, vas-y, attends. Je peux pas, genre... merde. J'ai envie de lui faire la position du... Du flamant rose, genre. Ouais, mais elle peut plier le genou comme ça, oui, mais elle peut tourner son genou, par contre. Logiquement. Yolta ! Est-ce que elle peut poser son pied ? Tu plies tout ça, hop ! Si je pouvais juste décaler un tout petit peu ça, comme ça. Non, j'étais presque. Ah mon dieu, j'étais presque. Ok. Là, c'est à peu près bon, là. C'est pas si dégueu. Bon, elle est un peu bizarre avec sa culotte et tout, mais bon, c'est pas grave. Vraiment sur la pointe des pieds, quoi. Hop. Et au niveau des mains, on va lui faire faire un petit jeu pris. Si j'y arrive, bien entendu. Qu'est-ce que... Oh putain, c'est trop dur à contrôler cette merde. Attends. Ah ! What the fuck ? Tourne. Tu veux pas tourner, genre ? Ah si, comme ça. Attends. Ok, alors là, ça c'est pour faire comme ça. Si je le mets à peu près droit... Hop ! À peu près comme ça. Ça c'est quoi ? Oui, parfait. Il paraît qu'elle fait du ninjutsu, donc c'est normal qu'elle se mette dans une position comme ça, t'as vu ? Pas genre. Ça, on peut pas vraiment le... Si tu peux faire comme ça, au pire. Et pour ce bras, on va le faire faire comment ? Ah ouais, je sais, j'ai une idée. Attends. On va faire la même chose. Ah ! En fait, j'aimerais bien... que son bras aille plus lourd que ça. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est possible, les amis ? Je ne sais pas. On peut pas le faire aller, genre. Ah ouais, mais c'est chelou en même temps, si tu fais comme ça. Si tu peux faire comme ça, genre. Ouais, attends. Je vais vérifier avec mes propres bras. Il faudrait que... Ouais, mais si tu fais comme ça... Bah, la position du... Ouais, non, c'est juste la main qui change. Pourquoi tu veux pas aller de l'autre côté, toi ? Tintin, je suis un robot. Ça change rien, ça. Ça change quoi, ça ? En plus, ça change rien. Attends. Ça va pas, là. Là. On va le mettre à la même que l'autre, à peu près. Hop. Voilà. J'aimerais bien... que tu te mettes avec ton bras comme ça au final, mais ta main comme ça. Ah non, là un petit problème de poignet là actuellement, c'est pas terrible tout ça. On va juste la diminuer un peu. Ouais, vous avez compris le principe de ce que je veux faire, je crois. Ouais, non, attends, faut que je sélectionne un truc. Hop. Ça change rien, on m'a dit. Ouais. Et ça non plus au final. Maintenant, il faudrait que je contrôle son poignet. Je crois que c'est ça. Ouais, non, mais faut pas trop abuser non plus, quoi, je veux dire. Faut rester dans un truc à peu près correct. Mais je comprends pas, parce que là, on arrive jusqu'à son sein, et là, pas du tout, quoi. Alors peut-être si je... Non, je sais pas, là, hein. Ça, c'est pour le faire vers l'avant ou vers l'arrière, je crois. Attends. Plus ou moins haut, ouais, je peux le faire un peu plus haut, mais bon, ça... Logiquement, je devrais atteindre la même chose, quoi. Tu comprends ? Ça, c'est pour faire comme ça, donc c'est au minimum, c'est bon. Ça, c'est pour faire comme ça, donc c'est au maximum, c'est bon. Oui, non, c'est vraiment son bras. Il faudrait qu'il soit...
Ouais, parce que là, elle a un problème, clairement un problème de poignet. Là. Oui, vers le bas, oui, d'accord, mais... Waouh. Wow, non, mais attends, mets-toi un poignet normal, s'il te plaît. Bon, après, je peux le mettre vers le haut, comme l'autre. Ah, mais l'autre aussi, en fait, il est chelou. Genre, il est tordu. Ça se voit pas de là, mais de là, ça se voit un peu, quand même. Ok. Bon, écoute, ce sera peut-être plus simple. Retourne sur le poignet, je t'ai dit. Je vais quitter le poignet, enfin. De faire comme l'autre, comme ça. Ah, là, c'est genre en fight, quoi. C'est pas ce que je veux, moi. J'aimerais bien qu'elle fasse de l'autre côté, comme ça, mais en mode moins... Remarque, pourquoi pas. Peut-être juste ça le problème en fait. Si je me mets comme ça. Que je fais. Ah ouais. Ouais. Bon bah ce sera sa position de base. Moi je trouve que c'est pas dégueulasse. Voilà, on va sauvegarder ça. Très bien. Fini pour ça. Pris 10 ans pour rien au final. La voix. Ok, on va choisir ça au hasard, parce que là, j'en sais rien du tout. Je vois même pas la différence entre les trucs. 11. 4. 1, 2, 3, 4. Ok, très bien. Grave ou aiguë. On va faire sur 100. On tombe sur 48, donc à peu près au milieu. Prendre une pause. Ouais, je sais pas si c'est vraiment une utilité, ça. 5, 10, 13. Bon, on va faire ça au sort, peu importe. Peu importe. 13. Bah, la dernière. Ok, meuf. Calmos. Wow. Ok, très bien. On va se mettre un peu plus en droit face à elle. Ah, bah, c'est genre une meuf qui se téléporte de ouf. Elle a l'air stylée quand même, hein. En vrai. Comme perso, je connais pas du tout. Du coup, on va la laisser comme ça sera très bien. La voix, le corps, c'est bon. Parfait. Action du personnage, position. Prendre une pose particulière. Ouais, non, mais ça, c'est juste pour le voir en jeu, ce que ça donne. Les vêtements, c'est pareil, c'est pour voir en jeu ce que ça donne, non? Je peux toujours choisir au hasard, mais... 5. 9. Générer. 7. 3, 4, 5, 6, 7. Hop. Ouais, bon, ok, très bien, pourquoi pas. Bon, bah là, c'est les goûts et les couleurs. Je pense que de toute façon, j'aurai pas vraiment le choix quand je vais commencer le jeu en fait. Après, je vais de toute façon, je vais débloquer des trucs en jeu et tout. Donc, on va laisser le truc de base. Ce sera très bien. Ce sera très bien. Bon, très bien. Nom de famille, Kisusuka. Oh, ouais, bon, ça, j'ai pas trop le choix. Et le nom du personnage. Alors, comment je vais appeler cette personne fortement chelou. Alors. On va l'appeler... J'aimerais bien trouver un truc du genre Youp, mais... Mais Youp, c'est pas vraiment un nom. Pas féminin, en tout cas. Bon, bah, tant pis, on va l'appeler Youp. Hop, ce sera pour me rappeler que c'est celui de YouTube. Création terminée, ben voilà, on a créé notre perso, qui est bien chelou, mais bien sympa en même temps. Écoute, création terminée. Oui. Selon déjà utilisé. Ok. Très bien. Autre chose alors. On va l'appeler. Comment est-ce que je vais l'appeler? Des yeux rouges et bleus. Elle est blonde. Elle a un tatouage Spider-Man. On va l'appeler Rilab. Hop. Voilà. Très bien. Oui. Ok. Oui, c'est sorti comme ça, hein, tout seul, peu importe. Et voilà. Moi, je trouve qu'elle est stylée quand même. On dirait un peu ça fait une androïde, tu sais, avec ses yeux et tout. Ok, bon, bah, je vais m'arrêter là du coup pour la création du personnage. C'était le premier épisode juste pour la création du personnage, donc, comme j'avais dit. Et je vais passer à la suivante juste après. La bise.